Allez, bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus. On va relancer la partie de TA. Vous allez entendre un peu de bruit derrière, il y a Mawa et Neda qui jouent. Ah. On est arrivé loin dans les tours, là les défis deviennent de plus en plus compliqués à gérer. Et à chaque fois qu'on sort du village, on a le risque que tout claque. On a des très gros challenges qui sortent. Et le problème, c'est d'être capable de faire la part des choses entre les faciles et les moins faciles. Du genre, en trois crânes, on peut très bien avoir un loup alpha et quatre de ses compères, comme avoir deux cadavres non vivants et 13 squelettes. L'un des deux, on le prend sans se poser de questions, et l'autre, on se fait, même si on a tout le village avec nous, on se fait wipe. Donc là, on arrive à un moment qui est vraiment, je trouve, très très difficile dans le jeu. Et vu que j'ai pas voulu rusher pour essayer de. J'aurais bien aimé m'attaquer aux géants. Alors les géants, on les a croisés. Compliqué. Alors, on va passer le tour, l'expédition. Il y a une blessure en cours. J'aimerais bien valider ça. Aller voir le pendu. La tour de nid. Tous les trucs 3-4 crânes, je peux pas encore aller les chercher. C'est pas faisable. Ok. On va pas abuser de la boisson, on va éviter les problèmes. Hop, c'est bref. On va repartir, on va essayer d'aller voir ça. On s'est fait attaquer par quelques géants. Ça frappe à 50 points, ça a plus 30 points, plus de 100 points de vie. Très, très dur hein, à gérer. Il va bien falloir qu'on s'en sorte un moment ou un autre. Prêt à vous donner une arme si vous avez quelque chose de réellement intéressant. Nous sommes prêts à échanger des armes, nous sommes prêts à trouver quelques outils. On a une arme. N'autorise pas de forgeron, aucune arme pourrait bien nous servir. On a perdu celle-là, forcément. Ça, c'est bien, ça, c'est top. Le cuir de dragon, ça, c'est vraiment bien. On va pouvoir recrafter des armures de qualité. On est sur de l'obsidienne. Est-ce qu'on se tente ça? Je tente très bien. On n'a plus de bouffe, par contre. Je vais essayer de. On va rassembler la nourriture. C'est vrai qu'on consomme beaucoup de bouffe. Hein. On va là. Ça va, deux squelettes. Ça me fait peur parce que je suis. Ok. C'est-à-dire que l'autre, on pourrait la faire aussi. Faut quand même que je le fasse à la main le combat, mais c'est un combat normalement qui est prenable. On a récupéré une Striga aussi, et ça c'est cool, je trouve, un peu de diversité. On a le droit de jouer deux cartes, donc on va faire une première action à 15, et on va lui mettre ça comme dégâts dans les dents. On le tuera sur la première attaque, lui on lui mettra 4 plus 20, donc 8 pour 24 points de dégâts. 23 c'est beaucoup. Mais on va pouvoir le gérer de cette façon-là. Il meurt, 28 et 20, on termine là. Ça va être bon. On a un embrouillé à deux. Je me pose la question de si celui-là on va réussir à le plier ou pas. Je préfère éviter les soucis. Et on va se faire une petite protection. Hors de l'acier, ça c'est bien. 9 de dégâts, 3 de poison, je vais le garder vu que je pense qu'on a. On a. Ouais, pour la ville, ça serait plus intéressant.
On est bon. On va aller jusque là, on va se récupérer un peu de bouffe. On arrive à choper un endroit avec plusieurs accès à la bouffe. Voilà. Allez, on va aller voir le pendu. Intellect en deux crânes, normalement on est censé le rentrer tous les jours. On a perdu le défi, lol. On a plus de bouffe. Ça c'est pas cool. Si on peut... Alors attends, putain de case. Tour prochain, on va pouvoir récolter de deux types de nourriture différents. Donc là on est en train de se prendre des blessures normalement. Je vais me mettre là. On va passer quelques tours ici. Deux crânes, ça c'est pas grave. On espère hein, avoir des choses qui arrivent ici. Gentil. Allez. On est tous empoisonnés. Vous partez trouver l'esprit. Parfait. On va essayer de gérer ça. On a 4 tours. On va aller voir le pendu. Le retour du retour, exactement. C'est victoire facile avec un orc. Le fait d'avoir un orc combattant, c'est vrai que putain, il frappe vénère. Hein. Déjà, on va faire ça. Prenez le corps vers le bas avant de le vérifier. Êtes-vous celui qui a maudit notre peuple? Il n'était pas moi. Bien pas strictement. Putain, cette traduction, elle me fait mal au vin. Non, c'est un considéré comme un démon. Sur Mark Mail. Je sais diluer leur DPS. Du genre, elle tank plutôt bien. Elle aussi un peu. Et on va faire. On va essayer de mettre tous ceux qui sont capables de frapper à l'arrière et pour remonter la ligne. Je sais pas si j'ai assez de dégâts pour être capable de les tuer. Et on va essayer. Perdu deux cartes qui étaient à zéro.
Donc ça, c'est un bon point. Je mets du DPS ici. Je vais essayer de protéger mon Striga qui a les meilleures capacités en magie. Ça, c'est bien joué de sa part. 14, je peux pas la tomber en une fois. Les contres sont pas suffisants. La protection pourra m'aider. On encaissera ces deux attaques assez facilement. Je vais mettre L pour temporiser au max. Sylvie frappe à gauche, j'ai dans l'os. Putain, mais c'est un 5, ça, j'aurais pu la virer, ça veut dire. Ah, je peux pas me rapprocher, quoi. Ok, il y a une 5 là que j'arrive pas à tomber. Ah, je la tomberai pas au prochain coup, ça c'est dommage. Frappe à gauche. On en tombe au moins une, on va perdre Yanina, je suppose. Non, on encaisse. On va refaire la stratégie du. Il joue ses deux cartes. La Striga là. On va peut-être réussir à la rentrer, hein. Mais chaud. Deux tours pour la tuer. On va mettre protection ici. Ça va jouer sur les dernières cartes, ça. On encaissera même si les deux frappent la Striga survit. Ah yes, parfait. Il n'y a plus qu'une carte à jouer. Elle qui fait un peu mal. 4 points de dégâts. J'aurais mieux fait de faire le contre-offensif. Ok, c'est bon. Ok, on arrive à faire le sortilège en fait, en magie, je suis moyen. Dans la ville, je suis bon, mais. Ça, c'est beau, ça. Deux de magie sur l'elfe errant. On n'espérait pas tant. Fait une chasse. On n'a pas réussi à la rentrer, la chasse, t'es sérieux? Après, notre Striga, elle envoie, hein. 29 en monocycle, 3 de sangsue en plus. Il se passe des choses.
Alors, c'est pas des Semoks, c'est des Strigas. Je connais pas trop le niveau des cartes. 5. On tombe la première. Je crois qu'il y en a une quatrième, je sais pas où, mais je crois qu'il y en a une quatrième. C'est un peu chier ça. C'est celle-là que je voulais. Elle frappe pas très fort par contre, ça c'est bien. Il y a plein de points de vie, mais ça frappe pas hyper fort non plus. Bon, qu'une seule blessure, ça va. C'est pas trop mal, je pense. Elle tombe. Elle suivra assez facilement. Par contre, là, la blessure sur la bandit, chaud cacao, quoi. On a de l'ascension, on va récupérer un peu des points de dégâts. Bon, une blessure, deux blessures lourdes. On va s'arrêter là. Oh merde. Ça m'emmerde. Je vais passer un tour ou deux histoire de récupérer encore de la bouffe. On va pas faire long feu. Il y a des petits problèmes de poids. On a deux enfants, hein. Si on a un des deux qui pourrait éclore, ça serait top. On va dégager, j'en ai pas besoin. Le quartz, j'en ai pas besoin non plus. On va régler nos problèmes de poids assez facilement. On a 3 cycles. 6 cycles, c'est mieux.
n'est plus que 7. Le 4 crâne, je rentre pas. Hein. Jamais. Essayer de l'aborder par derrière. Oh, bien sûr, il vient se poser dessus. Oh ok, ça me va, il a pris les Derberg. Ok, on a les 35 gold. Group of thugs stands in your way, bearing weapons and vile grins on their unshaven faces. They look determined and unafraid. From their confident stance and sideways glances, you suspect they may have. Après un discours, hein, on a des choses à faire. Hein. You're good to your lives. We need some metals and a weapon or two. We're not too greedy. Tentative de séduction. Touché à âgé, pourquoi ne pas laisser. Les autres ont dit, on l'a un peu désolé, mais il semblerait que vous ayez retenu l'attention de leur chef. Parce que l'intérêt du capitaine réside à ce stade que le fameux demande là où il y a de l'argent. Et sans aucun doute, la plus grande des épées. Vous continuez à flirter et évitez de capituler. Vous faites un aparté avec le capitaine. Vous poursuivez. Vous parlez au capitaine si bien, ils sont absolument besottés avec vous. Il jure son amour, engage sa promesse. Non, non, il vous laisse partir avec vos compagnons, mais il vous donne même un cadeau d'adieu. C'est beau ça. Quatre araignées mort-vivantes, je pense que je peux les prendre même à 6. Ça, ça dégage. T'as pu améliorer la caserne, ouais j'ai pu la faire. On va prendre le combat, hein. Plus facile à gérer. On va essayer de la jouer elle en première. On connaît les araignées mort-vivantes, on a assez d'épaisse normalement avec ça pour pouvoir les abattre. Contre-tactique. Une carte de moins à jouer. C'est peut-être pas le meilleur des choix que je viens de faire là. Euh, 26 et eux ils sont à 28. Ah, putain, 2 points près. Marc, il fera pas hyper fort non plus, je veux dire, on sait faire des trucs. Non, ça marche. Je crois pas, on va pouvoir éliminer les deux comme ça, parfait. J'ai eu peur. Les ruines, on s'arrache. Ok, on a plus de blessures, ça c'est un bon point. On va le laisser rester, on va le laisser là, et il nous donne de la magie, il nous donne de l'herboristerie, du folklore. Ça c'est très bien, on a les personnages mine de rien, Ostoya se renforce. Ça c'est un bon point pour nous. Et votre beauté nous a fait perdre la tête. Vous avancez vers elle, et si nous perdons, d'accord, quel est ce jeu? Nous allons essayer votre jeu. Allez, on va commencer le combat. On a de la furtivité. Hein. Première action un peu faible par contre. Niveau 8, contre-offensif à 8. Je vais le tenter. Parfait, on a une carte de moins en face, contre-tactique aussi. Bien, 11 pour 11. Encaisser les dégâts.
si on va faire mal. Donc celle-là, on la tombe en un tour. L'autre, il me faudrait juste un petit peu plus, soutien allié. Voilà. Ces deux cartes vont dégager sur le premier tour de combat. Ah, dommage, on les termine pas. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Je suis débile. Bon, c'est pas grave, on va quand même le passer, le combat, mais... J'aurais dû faire un contre-offensif. C'est là que je regarde pas directement les contre-offensifs. Il reste peu de cartes comme ça, ça permet de limiter les dégâts, surtout qu'on est capable de tanker. Mais bon. You sneak up on the mysterious woman. Parfait. Ça a enlevé le poison. On n'est pas trop mal. On s'écarte. On a gagné l'expérience qu'il nous fallait. Et on va s'arracher, hein, tout simplement. Une autre elfe qui nous rejoint, ça c'est cool. Discours, discours. Bien, 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 bien. Okay. 12 de dégâts à distance, c'est pas mal. 24 de dégâts. Un bout pointu. Je préfère faire ça. Ça me va bien. On va gentiment faire demi-tour. Prendre un peu de temps, mais on finit par y arriver. De se prendre un peu de dégâts, c'est pas gênant en soi. Ouais, limite qu'on se fasse confie, qu'on valide la quête divine, je pense que ça nous ferait du bien d'un point de même de récompense. Là, on va pouvoir ramasser quand même pas mal de ressources. On aurait pu, là, on va ramasser aussi. Là, on va ramasser ça. On va s'en mettre un peu de côté pour pouvoir rentrer quand même. 12, parfait. Ça voudrait dire que les. Il n'y a pas des ruines dans le coin. Ah non, 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 elles ont disparu quand on est rentré dedans. Donc là, on va pouvoir prendre un peu de monde à Ostoya et. Avoir une expédition un peu plus forte. J'aimerais bien une palissade pour les nains quand même. Ne faisons rien de précipité. C'est quelques mots comme accord, maîtresse et caveau. Les orques font pas de côté pour laisser passer une femme. Nous sommes arrivés ici le premier humain, donc ne vous faites pas d'illusions. Et nous avons peut-être un marché à vous proposer. Nous avons trouvé quelque chose, mais il nous manque des outils pour l'ouvrir. Les gens nous donneront plusieurs armes et quelques ressources. Que diriez-vous de collaborer? Quelques pas de plus, mais elle s'arrête dans le signe coloré où vous dites pourquoi. Votre espèce nous a toujours traité avec haine, mépris. Social à quatre crânes. Ces deux-là vont être. Ça va être compliqué. Les orcs combattants, on est censé devoir les gérer. Pouvoir les gérer. On a un embrouillé à 7 là qui m'intéresse beaucoup. Je pense que le contre-tactique ici passera plutôt bien. Niveau 6, c'est pas dit qu'on arrive à rentrer autre chose. On va jouer l'elfe errant. Mine de rien, il frappe à 13. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait plus bas que ça. Première action niveau 5. On va pas pouvoir la jouer celle-là. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'on se rapproche ici.
elle. Elle est là pour encaisser. Alors on va jouer elle. On va faire une première action. Elle va passer devant. On va voir. Là, c'est tendu. On est à peu près de force équivalente. Ça me plaît bien. On résiste. Yes, les 9 points à droite, c'est exactement ce que je voulais. Donc là, elle, on va tuer la matriarche avec Zuzia parce qu'elle a énormément de dégâts en poison. Ça nous permet de mettre le DPS entier de l'Elferan dans elle. Et de. On va peut-être pas réussir à l'affaiblir suffisamment. Il faudrait lui péter la protection. Non, on lui a pas enlevé la protection. On a toujours elle qui est entièrement là et qui est full dispo. Première action niveau 5. On va pouvoir mettre quelqu'un d'autre ici. On va faire une première action niveau 5. Le Striga va passer devant et va éliminer cet orque combattant. Elle a du dégât, hein, cette grognasse. On va se rapprocher et on va mettre 9 points. 7, 14, 8 tombera. Ça fera une carte de moins. Yes, il frappe à gauche, c'est exactement ce que je voulais. Ok. Et là, on va lui mettre pas mal de dégâts dans les dents quand même. Ouais, en plus, avec tous les dégâts de poison qu'on a juste derrière, ça va le faire. Ok, le 4 crâne en social contre des orques, ça passe. La conversation va bien, et donc vous finissez sur une haute note. So you see, we both have an image of our people in our heads. Inside the vault, you find a supply of various. On partage le butin. Share the spoils and sit by the fire with the orcs. There is an orc. Ne veux pas exploser à cause de la haine mutuelle qui se forme de nos espèces. Je vous donne donc un de mes orcs, certes pas un de mes meilleurs aimants, il est plutôt minable à vrai dire, mais peut-être avancé. Vous pouvez savoir parmi vous. En échange, un de vous va venir avec nous. Peut-être comme ça, nous apprendrons l'un et les autres. On va dire oui. Ok. Putain, 12 d'or, ça fait plaisir. Marché conclu. Oh, on a perdu notre combattant, pas cool, mais on a récupéré lui. Ça a de la valeur, hein. 15 de dégâts, le marteau de guerre. Là, on discute. 34 de dégâts contondants, 10 en piège, 21 points de vie. Son armure est nulle à chier, mais... Un peu de sangsue en plus, ça fera pas de mal. Ah, 80 en trop. Un petit 17 d'armure là. On est même renforcé comparé à avant. Donc là, on a 22 de dégâts contondants, mais on a 3 de poison, donc on est capable de la monter à 28 de dégâts. Lui, il a 34 de dégâts contondants. Ça me plaît bien, là, l'orientation que tout ça s'apprend. D'inventaire, on en a 21 comme ça, c'est cool. Mais, on a 300 en poids de trop. Déjà, ça dégage. En fait, on a enlevé l'armure lamellaire, on en a pas besoin. Et là, on est bon. Deuxième orque. Ça fait plaisir. Bizarrement, il m'attaque pas. Allez, on rentre. Équipement. Alors là, on a des choses à faire. Alors d'un point de vue d'inventaire, déjà, on va virer ça. Virer ça. On va virer ça. 8, 6, 6, 5, 3. Trop faible. 5 avec un peu de dexte. 15, 6.
15-6-2. Ah, c'est bien ça. Les haches en alignement, on les utilise plus. Je vais les virer pour l'instant, ça fait pas partie de trop du gameplay. 3, 3, 5, 4. Les lances, 7 et 2 de dextérité, 7, 3. Les 7, 6 sans rien en plus, on les vire, on en a pas besoin. 9 points de dégâts, 1 point de dégâts, ça dégage. 3, 2, ça dégage. Et celui-là, ça va être 1, 3, ça dégage quand même. On va garder les shields qui nous apportent quelque chose en plus et qui ont quand même des valeurs un peu élevées. Voilà, 3, 4, c'est le minimum. Trop lourd. On va garder celui-là, hein. Celui-là il m'intéresse beaucoup. Beaucoup d'armure. Pas trop, 96 pour 8, 80, ouais, cela, on dégage, ça, on dégage, 72 pour 8, celui-là on peut dégager, 11-2, on prend aussi hein, 200 de poids pour 6 d'armure, faut pas déconner non plus. Là, on est quand même plutôt pas mal. On a du monde. Il porte à 950. Limite, faudrait qu'on apprenne à faire des armures lourdes, en fait. Ou intermédiaire. On va garder le point supplémentaire. 13 de dégâts et 1 de volonté. C'est super. T'as un peu de marge de manœuvre, mais pas tant que ça. Ton arme est bonne. T'as un peu de marge de manœuvre. T'as une 7-6. 9-6-3, plus intéressante. Elle pèse un peu plus lourd. Et je pense que c'est quand même pas mal. Celle-là, faut qu'elle dégage. Les deux lames en haut, on va les dégager. Alors que les fillettes d'elfes se ressemblent toutes. Effectivement. Lui, j'aime bien son stuff. On pourrait monter éventuellement le poids un peu, du genre l'armure. 10, 2, 1, non, ça va aller. Salut, Carso. Cyborg. Alors, est-ce qu'on a une lame à une main un peu plus efficace? Non, après, pour l'instant, on n'en a pas. Il faudrait que j'en refasse une pour Cibora. Toi, avoir gros marteau. Toi, avoir gros marteau, on va te laisser ton gros marteau. Oh. Là, il a un niveau de feinte. 8 en feinte, 9 en discours. Là, l'elfère en lui, c'est causé. Très bonne armure. Lui, on va pouvoir lui changer son martal. Ouais, ça me plaît bien. 4 en discours, il est pas là pour discuter. Hein. Franchement, 5 en discours, j'ai envie de dire. Et on va pouvoir lui mettre ça. 9 de dégâts à distance en plus. On va pouvoir augmenter son rassemblé. Dans les défis physiques et maladies, inflige des dégâts à l'ennemi et vous guérez. Ok. La solidité. Lui, il va être solide. Il va être solide, il va faire mal.
Je me pose la question. Tu déplaces comment les dégâts à distance? C'est-à-dire? Ça vient des arcs et c'est sur la case en haut à droite. Et tu peux uniquement les utiliser quand tu es en tactique. C'est ça qui te permet de faire du soutien aux alliés et en gros de booster l'attaque d'un de tes alliés qui est en offensif. Ou qui est sur le board, tout simplement. On a fait un stand de tir à l'arc? Oui, on l'a fait. Si, si, ce que je te disais là, le. De faire ça. On va se faire une nouvelle expédition. J'aimerais bien prendre une. Si beau, hein. Je pense que les elfes vont avoir leur place avec nous. On laisse 6 quand même. Et nous, on part à 4, 8, 9. À 56, c'est parfait. Il manquera un peu de bois si on veut faire le, si on veut faire ce qu'on a envie de faire. On peut crafter de l'armure en cuir de dragon. Tours. Alors on va où? Est-ce qu'il y a des trucs encore à nettoyer? On a un peu ça. Parce que là concrètement on est à 9. Ça fait plaisir. 9, 26, 9, 8, 13. Pas trop de discours avec avec l'orc, mais. Autrement, je prends encore plus de monde. Je me laisse un peu tout nu. Combien d'enfants ici? 2. Je me laisse un peu tout nu et je tente la quête divine. Pour toi et toi. Tant qu'il faut parler, ça va, sinon l'orque se sacrifiera. Là, 11. Je pense qu'on va peut-être pouvoir. Faire la quête divine. Ce serait plutôt une bonne chose. Ok. On n'a plus personne au village, donc c'est un peu normal qu'il se passe des choses pas cool. On va essayer de se faufiler. Je vais voir si sur les orques, cette armure-là, elle vaut le coup. Faire ça, hein. Autant se récupérer du poids. Achat demain, 20 points de dégâts. J'aimerais bien voir ça sur, sur le Stria. Ce Stria, il a une force d'enfoiré. Là, on a 15 points de dégâts. On passera à 20 points de dégâts pour le même point. Let's go. Bon, maintenant, il frappe à 34 en mono-cible. Ça fait plaisir, hein. Ah oui, le fameux élémentaire, on fait le dégât, le truc en physique.
On a réussi à le sortir, on a des bonus de force. Ça, c'est bien, ça. Un lieu d'intérêt qui est où? On va faire la quête divine, hein, on est là pour ça. On va essayer de s'écarter, hein. Le défi à 5 crânes, je sens pas. As you move closer, you see a balcony that looks un... Seekers of knowledge, you say? And what makes the Grand University? I should have known they will try to meddle again. Death was not enough for those homicidal traitors. So, my apologies. They have wronged. These so-called scholars took it upon them. Indeed, this is why I have to... Ileana Holt answers to... I sense your connection to your god. You say you seek... A girl... Entrée. Combat social. Je pense que le social à 4, on va se le tenter. Ok. Donc là, le but, ça va être de faire du contre-offensif. On en vire des petits, c'est dommage. Alors, qui tank? Toi, tu tankes pour de vrai en plus. Première action ou pas? Non, on n'a pas de première action honnête. 6-5. C'est pas juste belge. L'orc, il se prend la première attaque, il meurt. Là, on va se prendre la deuxième attaque. Ça, c'est un effet sans su. De 2. Donc, on va se prendre 11, moins 4, 7. Donc, on va être mid-life et on va récupérer 2 points de vie. On va sentir une première action quand même, histoire de diviser le DPS en face. Gros, il frappe fort, hein, putain. Toi, tu repasses devant. Oh, l'embrouiller, ils avaient le droit de nous embrouiller comme ça. Je pense que le social, on va le perdre là. Tu vas te rapprocher d'abord, t'encaisseras bien. Toi après. Toi après, 8 points de dégâts. Et toi après, 12 points de dégâts. Je pense qu'on peut éliminer une ou deux cartes, mais je pense qu'on en perd. On va perdre la moitié de notre équipe, au moins. On l'élimine celui-là. On va entamer là. Dommage, on perd l'elfe. On encaisse. On encaisse. On réplique. On élimine. Grâce aux dégâts de poison, 12, on élimine. Ah non, on s'en sort très bien en fait. Alors, on va commencer directement avec du bon dégât. En fait, on va faire du contre-offensif après, si on peut. Contre-offensif, contre-offensif, ça dégage, ça dégage. Là, ça va être plus facile à gérer. Toi, tu vas faire mal. Elle tombe direct, tout ça, ça tombe direct, ton bras là. Est-ce qu'on a... On n'a pas de première action. Pas. Je pense qu'on a assez de dégâts quand même. Et là, j'étais toujours vivant cette partie, ce serait déjà gagné.
Bah, c'est toi qui nous a permis de tenir l'early game, hein, Pilcop. Hein. C'est, c'est sur ton sacrifice qu'on a construit notre, notre réussite. Hein. Et oui. Your goal is honorable and your plea heard, but why have you forgotten the... Ok. On s'éloigne de ça. Je pense qu'on va se prendre un petit guerrier. Oh, on n'a pas souvent le chasseur. Et je pense qu'on va se prendre un guerrier. Je vais voir un peu ce que tu vaux. 22 de dégâts naturels. Ah, c'est ça qu'on veut voir. Hein. 15-6 de furtivité en plus. On prend, tu montes à 4 en furtivité. Tu pourras aider les copains. 4-6. Là, on est bon. 16 en force. On peut lui mettre ce qu'on veut en armure. La plus haute, 10 points. 11 points. ...37 de dégâts mono-cible, 14 de protection. Elle, elle est badass. Le fait d'avoir les points supplémentaires grâce à la caserne, ça nous fait faire des guerriers qui sont vraiment puissants. Slavers are a sadly common sight in Thea these days. C'est vrai qu'il y a deux lieux d'intérêt au-dessus de nous maintenant. J'aimerais bien finir ça quand même. Et franchement, l'arbre cosmique, je me pose la question là, le dragon, si on pourrait pas le choper. Je me pose sincèrement la question. Le totem est donc à mon effigie, exactement. Le seigneur de Sensu, c'est un lion qui ne voyage pas seul, il y a une horde de serviteurs Striga. Le nominateur du midi et l'image sombre protège le maître de la lumière du soleil, presque comme si la nuit même le suivait. Cela peut être un effet de la vue, puissance volée d'Oros. On va évaluer ça. Un petit combat à quatre crânes. Aïe. Les deux là, aïe. Chiant. Ça, ça va aller. Ils sont 8, on est 11. Une striga de plus. Deux striga en moins. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos cartes pour passer devant. On va pouvoir faire passer toi devant. Alors là, on peut en jouer deux. On va jouer ces deux-là, qui vont s'occuper du DPS des cartes suivantes. Et on va utiliser ces deux furtivités-là pour faire passer, il nous faut beaucoup de dégâts mono-cibles. Oh putain, lui, seul à l'avant, avec 10 points de plus, donc on lui met ça, soutien allié. On va lui faire première action, il va passer devant, il va être capable de péter 25 plus 14. Après, ces deux-là vont frapper là. Ça, c'est bien. Qui encaisse le mieux? Elle, elle a 13 de protection. Donc, elle tente pas au point de vie, elle tente qu'au bouclier. Chiant. Et pas gênant. Elle va se rapprocher. Ah, je pense que ça va passer, là, le fait d'avoir viré quelques Striga et d'avoir de la furtivité, ça nous permet de d'être plutôt bon. Aïe. Et bah voilà. On
plus, l'avantage, c'est que vu qu'on les a foutus dans la défausse, ils n'ont pas leur protection qui est active. Et ça, c'est cool. Ça permet d'économiser quand même pas mal de points. And thrust an oaken stake into the leech's heart. Paralyzed, the monster lies awaiting your final verdict. You can feel the stolen power of Horos pumping in the undead heart of the leech. Le pouvoir volé d'Horos pompant dans le cœur du moriant de la sangsue prêt à être remis à son propriétaire. Sentez le pouvoir d'Horos quitter le corps du moriant misérable et flotter à la dérive vers la lune. Grâce à vous, le Panthéon peut commencer la guérison. Comme Horos retrouve lentement sa puissance et prend sa place parmi les dieux, il faudra des signes pour que cela arrive, mais vous sentez déjà le Seigneur de la nuit devient plus fort. Certains de vos gens se réveillent le lendemain seulement à réaliser que leurs corps ont des changements et sont devenus en partie créatures de la nuit même. Sensu, parfait. Un petit maître Striga. 7 en discours, 10 en magie, 6 de sensu, 28 de dégâts. Ça va m'aider. Tant que nous aussi on l'aide un petit peu. On frappe à combien? 36 en mono cible. T'as vu, Kalan? Fallait pas la faire plus tôt, vu les bonus. Tu veux dire rentrer un 4-4, un 4 crâne en social, le faire plus tôt? Mais tu, je l'aurais rentré comment? GG le Pandragon Polo, j'aurais rentré comment pris le cop? Ça aurait été impossible. Là, on y allait, on était 11. J'ai jamais eu cet effectif. Et encore, là, ma ville, ils sont encore un peu à poil. Hein. J'en ai laissé 5 exprès à l'intérieur. Mais ça fait tellement plaisir. Le maître Striga, je pensais pas qu'on allait gagner ça. Et le. Qu'on ait de la sensu naturelle sur l'orc combattant. Ça fait du bien. Faut qu'on aille là. Par contre, ça, je sais pas si je le rentre. Pour ça que je demande. Non, mais. Oui, certes! Il manque un crafter. Ou une sorte. J'aurais mis la sorcière plutôt pour les défis magiques si jamais on doit se protéger. Sorcière. 5 en magie, c'est bien. C'est vrai que ça porte rien. Dégâts perforants, c'est toujours rigolo, mais le fait qu'elle ait pas de protection, ça me fait un petit peu peur quand même. Quand j'ai un petit peu peur, c'est un doux euphémisme pour dire que je fais de l'huile à 2 points près. Ouais, c'est comme ça. Oui, il faut que je lui donne un ordre. Tiens, fais ça, on s'en fout. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la mort de l'âme? Est-ce que c'est la mort du Xébus? Et on va lui parler. Bonjour visiteur, très agréable de vous rencontrer. Je crains que ma mémoire à court terme est un peu brumeux. Putain, cette traduction. Là ça peut le faire, c'est un dragon qui parle, il parle pas bien notre langue. Ok. Ils me disent qu'il est résultat d'un traumatisme, mais bon, je me souviens. Donc faire excuser mon ignorance. Oh, embarrassant. Vous savez, le mage dont vous parlez n'est plus avec nous, mais nous avons été envoyés ici pour vous libérer de ce sort et de l'obligation. Oh putain, un sortilège, un 4 crânes. On était faible sur l'équipe en magie. Là, on a 7 points de vie, pas d'attaque. 2 d'attaque, 12 points de vie. Avec un contre à 7. Ouais. L'herboricerie, l'intelligence est pour contre-tactique et offensif. 2-24, gros tanking de Sibora, ça c'est cool. Ok, dégâts perforants pour la concentration, mais elle a pas de dégâts. C'est quoi qui lui donne la concentration? C'est ça. Ça pourrait peut-être voir qu'on foute la concentration sur quelqu'un qui a du dégât.
Genre, elle aussi, là, elle a pas de... Putain, je peux pas changer son équipement, goddammit. Un peu de dégâts. Du dégât indirect, du sangsue, du poison. On a, ouais, on a ces deux-là. On a du tanking. En gros, on a des gens qui sont capables d'absorber un peu de dégâts, mais on a peu d'attaque. On a très peu d'attaque. Attends. Social. On peut se tenter en 5... Oh, putain. On est nombreux, mais... Ils sont costauds à quel point? Ah oui, c'est vrai, il est costaud, genre il sait argumenter, quoi. Les autres sbires sont pas si forts que ça, hein. Ils ont du dégât perforant qui est chiant à gérer, mais... Par contre, c'est 64 PV, on va mettre 10 tours à le tomber, celui-là. Tu dégages, contre-tactique, tu dégages aussi. Ok, on a ça à absorber. Je pense que lui, on peut le tomber en un tour, mais on va quand même absorber ses 12 points de dégâts, il faut les absorber au moins une fois. Et ça serait bien d'avoir quelqu'un qui a beaucoup de points de vie. Ok, c'est pas... On va sacrifier. Lui mourra sur l'attaque de la lance. Après, on lui met des dégâts. Lui frappera à 17. La seule personne qui est capable de l'encaisser, c'est elle. Donc elle mourra pas et on pourra répliquer. Donc là, 5 et 9, 14. Il faut qu'on monte à 21 points de dégâts. On va les avoir, les 21 points de dégâts. Et en fait, on va faire se rapprocher aussi les autres. Ça devrait bien se passer. Quoi bien se passer? On va avoir plusieurs manches, hein, mais là on va comme minimum, on va perdre une carte. Je sais pas si on va être capable de tomber le dragon, mais au moins celui-là il dégage. Et le dragon il sera vraiment faiblard. En plus vu qu'il aura été affaibli, on pourra lui mettre les vrais dégâts de poison. Et on encaisse. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça va passer. Ma main. C'est bon, ça. Donc, il reste plus que les autres... Donc là, tous les contres qu'on a peuvent nous servir. Donc là, on va jouer deux cartes, normalement. Donc, contre-offensif. Ils sont 5, hein. 4. 5 et 4. Donc là, maintenant, ils vont jouer plus que du indirect. Qui est le renfort. Ça me dérange pas. Donc on a un contre-tactique à 8 qui va valoir le coup. Il va frapper une fois à 14, qu'on pourra absorber dans L. Et après il mourra. Et on va rapprocher tout le monde, le but c'est bien sûr de flinguer au maximum la défausse. J'adore les bruitages. C'est vrai qu'on on fait pas les dégâts à la suite sur les mêmes cartes. On devrait pouvoir les finir là. Oh oui, c'est bon ça. Je pense que vous êtes en fait sûr de partir. Ça, vous avez des elfes qui ont chacun de vous. De vous tomber sur le plancher pour vous craigner, vos têtes seront coupées. Putain. Même Google Trad fait des meilleures traductions que ça. Ok, on a la petite bénédiction, donc plus 5 en discours pendant 25 tours. On gagne de la magie, de la... Parfait. Tout ça de diamants. La comète. Oh! 100 poids, 19 de dégâts. Merci. Ça, on en a déjà une, mais on va pouvoir l'utiliser assez rapidement. As you climb back up from the tunnel, you notice someone was observing you from the distance.
Et on va retrouver l'elfe avec la boussole. Quoi ça ? On va faire ça. Je crois que c'est pour récupérer une orque matriarche. Et je pense que je vais le faire. Oh la vache. Bah voilà. Mon orque, il fera pas combien ? 44 en dégâts en contondant. Lui, de 32, il passe à 38. Le solide. 84. Alors, sensu, on est à 4. Sensu, on n'a pas de sensu ici. J'aime bien mettre du sensu sur les orques, vu qu'ils ont plein de points de vie, ça permet de, entre guillemets, rentabiliser un peu. Et il se révèle être un groupe mixte fait d'orques, de gobelins et d'humains. Salut, j'aimerais que vous nous regardiez plutôt dans la ville en ruine. Mais ce n'est pas de l'espionnage. Évidemment, nous voulions attirer votre attention. Désolé, je suis un peu sarcastique quand je suis nerveux. Tilda du nom, okay, je suis un peu sarcastique quand je suis nerveuse. On va aller au droit au but. Créer une nouvelle théâtre. Dans un état entre la lumière et l'obscurité, un monde où les humains et les créatures de l'obscurité, comme vous nous appelez, peuvent s'adapter et vivre ensemble. Nous devons sceller la graine de l'arbre cosmique dans un endroit sûr. Nous espérons que vous allez choisir justement le moment correct. On va retourner là. Donc on va voir là. Et je crois que c'est là où on va devoir décider si on lui donne ou si... Ah merde. Je sais pas si on guérir la maladie, on va pouvoir s'en sortir, nous. On a quelques cartes intéressantes. Ouh, 24. Ça rigole, 0. Par contre, on a du contre, mais je connais pas la valeur des cartes en face. Contre tactique, là c'est pas... Première action à 12, par contre, ça c'est cool. Je vais la... Lui, il tanque, il sera en premier pour tanker. Remichel, Miss L. Putain, j'y arrive. Je pense pas qu'on rentre le défi. En tout cas, je serais surpris. Niveau 11. Putain, on a rien de ce niveau-là. On va mourir. Il serait bien qu'on meure qu'une seule fois. 13, ça va pas être suffisant pour la coucher, celle-là en plus. S'ils ont tous du dégâts perforant, on est mort. Ok, non, c'est déjà ça. 11-12. On va voir s'accroche à son slip là. Hein. Toi, tu tankes. Tu tankes ta race même. Tu vas absorber une attaque. On va mettre ces deux là. Après, en fait, on va essayer de faire en sorte que les cartes, là, 20, 18, 24, soient capables de jouer. Ouh, ça n'arrivera plus. Je veux qu'il... Est-ce que je laisse placer ces deux cartes? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 attaques. 1, 2, 3, 4, 5 attaques.
Je suis pas sûr que la 24, je réussirai à la faire passer. Bah, il joue elle d'abord. Ok. Donc, toi, tu vas encaisser. Et vous deux, vous allez frapper. Je pense que guérir la maladie, elle en valeur dans l'os. Trop costaud. Si on s'y frappe tous à droite. Ok, une de moins. Oh non, la 24, elle me démolit. Ça en perd. Oh, un point du. Non, t'aurais dû frapper à droite. Ça nous aurait fait économiser une. On frappe, on frappe. Eh, on en couche deux grosses hein, quand même. Hein. Elle va mourir quoi qu'il arrive. Je vois pas dans quel monde elle survit. J'absorbe deux attaques. On peut s'en prendre une. J'absorbe toujours deux attaques. Et elle va se mettre là. Ok. On est quand même plus nombreux qu'eux, on va peut-être réussir à l'avoir au volume. Frappe à gauche. Une des deux qui frappe à gauche, ça me va. Genre elle, ça serait... Non, 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 bien sûr que non. Une des deux qui frappe à gauche. Merde. On tombe celle-là. Et il joue en premier, mais allez, là. On va s'en sortir sur le fil. Nice. Nice. On récupère trois gosses. Solide. Ça devient quand même compliqué hein, être capable d'évaluer si quand on gagne ou quand on perd, quand il y a autant de cartes. Nous avons quelques questions à vous poser. Plus tard, on doit faire la boussole tant que j'ai de la puissance. Très bien, on lui donne les fragments. Donc on ne pouvait pas la langue, mais sa voix est douce comme un murmure dans le vent. Un chanson s'arrête, vous sentez que vos âmes sont levées avec joie et vous voyez un gland d'argent dans les mains d'Alizir. Et tu fais ce que tu veux avec tes mains, mon garçon. Le gland a une lumière bleue sur le dessus et elle pointe dans une direction. Très bien. Nous consommons beaucoup de force, c'est à nous. Ok, on a quelques questions. Nous avons rencontré des créatures la nuit qui avaient une proposition pour nous. Ok, donc on leur explique qu'on a rencontré des gens. Surprenant que la créature aimerait rester plus responsable et bien sûr, étonnant que tout était dans leur design. What? C'est pas un tel dessin pour Théa. Non, non, on va essayer de les intégrer. Hein. Mais peut-être vous arriverez à vous changer aussi et dire qu'ils sont maléfiques simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil, c'est un peu prudent. C'est un peu imprudent. Interdit par ces malédictions. Seront-ils quoi? Non, l'obscurité ne doit pas conduire. Nous sommes les gardiens, nous sommes ici pour protéger. Il est tous un deux crâne, je vais le démolir. Nous ne pouvons pas demeurer dans le passé, mon ami.
utter madness, and I cannot believe that any good will come of it. Mon peuple n'a été fait pour le changement, nous sommes éternels. Et je ne vais pas bloquer votre chemin, la boussole et la décision sont les vôtres. Mais vous ne me verrez plus. Si je suis à périr, je vais périr comme je suis maintenant. Pas comme la saleté, l'obscurité m'accrochera. Oh, ça va. Donc on regagne encore un petit bonus de dextérité, de quoi, d'attractivité, de discours. On doit aller ici. On est où, nous? On est là, on n'est pas très loin. Ouais, on a toujours ces deux quêtes-là, éventuellement. On les fera sur le retour. Oh. Non, les 5, faut pas qu'ils bougent. Je sais pas si je le rentre, le combat en 5. Combat en 3, je devrais le rentrer. Je vais le faire à la main quand même, parce que j'ai pas envie de perdre des points de vie bêtement. C'est comme arrivé une paire de fois. C'est tellement brutal de poser une carte. C'est la première fois de ma vie que je pose une carte aussi brutale que ça. Bah celle-là, on la tue en un coup. On va mettre la Striga qui frappe à 33. Et on va mettre l'Elferan qui finira la... ce que la Striga frappera. Donc ça, c'est mort. Je vais... contre-offensif, allez, on va pas se faire chier. Donc là, il y a la Striga qui reste. Quoi, le maître, le cadavre non vivant plutôt. Là, ça va être vite vu. Hein. Donc là, leur combattant qu'on a, il est pas encore au niveau d'un nain. Les nains ont aux alentours des 50 pèves et frappent autour aux alentours de 50. Donc il est pas encore aussi, assez puissant pour un nain. Par contre, on a le volume. Et bon, pour un géant encore moins. On s'éloigne des autres là. Ouais. Est-ce qu'on a de la première action? Non. On va jouer en tanking. On va laisser poser. Attends, ils sont à combien? Contre-tactique. Contre-offensif à 7. Oh merde. Contre-offensif à 8. Ok, donc c'est des cartes qui sont quand même plutôt balèzes en face. On va laisser poser toutes ces cartes, on va faire des remparts avec ceux qui n'ont pas de dégâts et juste des points de vie. On mettra les dégâts tout à droite et on montrera la colonne tout simplement. Je pense que ça va être le plus efficace. Et 3 et 8, 20. Il restera 2 points de vie. On fait 0-0. On va avoir un tour de DPS complet. Attaque suivante. Frappe-tu. Frappe-tu pas. Frappe-tu. On peut se permettre de faire ça. Ça, c'est bien. Et là, on va conserver à mettre les dégâts. Elle aussi. Ah merde, c'est vrai qu'on peut pas la. C'est pas grave. Allez, let's go. Salut Sylvain, comment vas-tu? On va pas avoir ces dégâts pour la tomber, c'est dommage. Donc là, elle tombe. Là, on tombe pas. Là, on tombe. On frappe ici. On résiste, on la tue. On va réussir à enlever un peu de points de vie sur celle-là. On aura moins de tanking, certes. On aura moins de tanking. Donc on va mettre les 7 directs.
C'est lui qu'il faudrait que je sois, enfin, que je sois capable de jouer. Oh merde, il a joué les deux d'un coup. Ça a pas marché ce que je suis en train de faire. Sort bien. On va perdre la striga sur ma stratégie, c'est dommage, mais bon. On va faire se rapprocher au maximum des autres. C'est la cour des miracles. Ouais, non. Non, là, ouais, c'est vrai que j'ai une équipe qui est très intéressante. Bon, on a perdu la striga. J'aurais dû refaire la même stratégie de tout foutre à droite et essayer d'encaisser avec le front tout ce qu'ils avaient à nous proposer sur les deux premiers rounds. Mais on encaisse quand même bien. Hein. Là on tombe. Mais on répique. Un peu. Ouais, on va réussir à tomber une carte de plus. Il va rester plus que deux cartes en face. 7 et 6. Parfait. Donc avec cette carte là qui va tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. 4 et 6, 10. On va tomber cette carte là sur le premier round. On va rapprocher les autres. Je sais plus combien il y a de points de vie celle qui est dans la défausse. Et comme ça nous permet de gagner. Tellement content qu'on ait récupéré l'elfe errant, il est là depuis tellement longtemps, il a été tellement solide en milieu de partie. You break the spell and reveal a chest. Inside you find a child. Bon, il n'y a pas trop de danger autour de Stoya. Si on s'en terre d'un animal, vous sentez de la magie forte protégeant cet endroit, mais avec la boussole, vous êtes capable de voir et rentrer. À travers la dernière, vous voyez une souche, un arbre énorme, brûlé, une créature comme un serpent gigantesque entrelacé autour d'elle. On dirait un drac, avec des dents pointues et le crâne à cornes. Ainsi, les sauveurs de Terra ont finalement glissé ici. Ce n'est pas l'arbre cosmique. Êtes-vous sûr? L'arbre mère ne résiste pas dans un endroit mortel, stupide. J'ai beaucoup de noms. Le Wyrm, Sibinas, Zmij, Zmei, le dévoreur. Il se passait quoi pour avoir autant d'orques et d'elfes et d'autres trucs encore? Il y a des événements et des bâtiments. Les orques, c'était grâce à des bâtiments. Et quelques événements pour les Striga. J'ai réussi la quête divine, ce qui m'a donné le maître Striga et tout. L'elfe errant, c'était un événement. Théa va mourir. Beaucoup de créatures peuvent mourir, vous mourriez certains, mais moi je suis curieux de ce que une Théa sans vie ressemblera. Tout allait merveilleusement bien jusqu'à ce que ça ait décidé de revenir sur nous. Pouvons-nous avoir la graine? Before we continue our talk and address
Tous les humains sont morts, du coup les minorités deviennent majoritaires. Efficace les bâtiments. Après, je suis à tour 550 ou 600. Il en faut. Vous dites que vous êtes le chaos, mais vous êtes assis ici avec la graine. Stagnation, c'est mieux comme ça. Si vous êtes le chaos, vous devez laisser le destin décider. On va tenter un petit social à 5 crânes. Ils sont que 7. Alors lui, il doit être horrible à affronter en social. Les autres, je sais pas. Bon, nous, on a du social, par contre. Alors, de base, il frappe à 26. Et il peut frapper jusqu'à 36 si la personne est blessée. Ok, ça, c'est bien. On va... Niveau 5. Merde, c'était pas niveau 5. Ou niveau 13, d'accord. Après, ça me... on va dire que ça, c'est pas que ça me dérange, mais... Il faut lui rentrer 40 points de dégâts, celui-là. Là, on va se prendre donc 4 attaques en tout. Donc on va perdre 4 cartes, parce qu'on n'a aucune carte qui est capable d'encaisser les dégâts qu'il nous propose. Donc il faut être sûr que sur la première rotation, on tombe celle-là. Comme ça, en fait, on va faire 2 cartes qui meurent, on tue celle-là, il nous tue une autre carte. Donc on n'aura que 3 cartes qui claquent. Les deux premières vont mourir de chez mourir. Donc je sacrifie qui ? On va jouer sur le dégât. Je te sacrifie toi. On va sacrifier les deux orques combattants. Et on va jouer sur les dégâts des autres. 1, 2, 3, 4, 5. 55 points de dégâts. Donc on va tomber lui, on va mettre un peu de dégâts dans lui. Et on va la jouer elle. Alors, quelle est la troisième carte qui va mourir ? Elle. Elle mettra comme ses dégâts au début. Hop. Hop. Il a des arguments choc. Ah bah, t'aurais dû voir le dragon. Lui, il en avait des arguments choc. L'enfoiré était... Ah, quoique, je sais pas trop. Je sais... Non, Zmei est plus fort que le dragon qu'on a affronté. Il tombe pas là. Et là, on va quand même lui mettre 50 points de dégâts, un truc comme ça. Ça va, c'est pas mal. On va refaire la stratégie. Alors, on va laisser poser Zmei. Normalement, il le posera en premier. Voilà. Nous, on a deux cartes, donc on va virer contre-offensif. Yes, ça tombe. Contre-offensif, ça tombe. Il va jouer une carte et on va mettre deux contre-tactiques. Parfait. Donc 32, il va nous coucher quelqu'un. Mais il est blessé, donc il va se prendre des dégâts apocalyptiques. 14 plus 16, il va se prendre 30 points de dégâts. En fait, l'elfe errant va le tuer. Ok, cool. Et je pense qu'on va coucher le reste avec eux, qu'on va peut-être pas tous les finir, mais on va quand même leur faire bien mal. Donc il a peut-être des arguments choc, mais on est... Ah merde! Non, on va pas le tuer. Si, on va le tuer. C'est vrai qu'il avait de la sangsue, j'avais oublié. Non, si, on devrait finir. Bon, même malgré ses arguments choc, on lui aura montré le ridicule de sa théorie. Oh. 6 de discours en plus, 4 de folklore, 6 de volonté. Et prenez-la au chef orc, vos peuples peuvent s'unir et créer une nouvelle Théa. Donc on a gagné une orque matriarche. Ah, oh, ça fait plaisir. C'est quoi ça? Coquille de monstre. C'est un shield. Ok. La massue, 2 de mithril, on va se les récupérer. Ça, c'est de mauvaise qualité, on va le dégager.
Ça, c'est fort, hein. Sournois, attractivité, sixième sens. Ah merde, victoire. Mais non, je voulais affronter les géants. Ah, on peut continuer de jouer. Bon, bah, moi, j'ai terminé le... J'ai terminé le jeu. Bienvenue sur le chat, Pimpinou, merci. On va continuer à jouer, faut pas déconner. Je veux voir la matriarche. Déçu de la fin, du coup. Non, non, je suis pas déçu de la fin. Alors, c'est que j'aimerais bien aller au cœur des trucs des géants et genre faire un dernier baroud d'honneur, quitte à perdre la sauvegarde, mais voir à quoi ça ressemble. Merci, Myogax. Surprise de la victoire. Non, je pensais qu'on allait avoir l'option de est-ce que vous voulez continuer à jouer, mais pas sur un écran de fin. Alors, elle a pas d'arme. Elle frappe à 24 de balls. Et elle porte à 1200. Oh, un dieu. Solide. Les dégâts contondants, c'est la vie quand même. Hein. On est 13. Ils sont 6 à Ostoya. Est-ce qu'on se le... Je vais voir avec les 13. On a la quête du roi en plus. Le retour des gens est juste derrière. Là, à mon avis, on va être un peu moins inquiété. Intellect, résolution automatique, on est suffisamment nombreux normalement. On va garder les deux points de dégâts supplémentaires, j'aimerais bien les mettre sur la matriarche. 34 de dégâts contondants. Trois sorcières, 8 combattants et 2 autres. Eux, ils peuvent être dangereux. Hein. On va pas les taquiner, hein. On va les laisser tranquilles. On n'est pas là non plus pour se mettre tout le monde à dos. On va se rapprocher là. Le jeu n'est pas trop dur à la prise en main. Non, non, non. Là, après, je joue sur la difficulté maximale en personnalisé, 350%. En gros, c'est hyper rude. Mais une fois que tu as compris les... Au début, tu vas faire quand même pas mal de combats. Et une fois que tu as compris... Bah, personnellement, j'ai pas trop envie de mourir. Donc bon, voilà. En fait, quand tu as compris que du genre... C'est pour ça que là, parfois, je mets les filtres pour avoir juste les infos pertinentes, genre en combat. Quand tu commences à te rendre compte, bah voilà, les dégâts, ce que tu es capable de faire, c'est les cartes, ça je trouve, c'est le système de jeu est assez facile. Et vu que c'est peu importe le défi auquel tu vas être confronté, que ce soit en social, sortilège, maladie, tout ça, c'est toujours le même principe. Même si parfois dans certains domaines tu vas pas être fort et dans d'autres tu vas être très fort, vu que c'est toujours le même principe, c'est la prise en main. Tu fais quelques combats, tu vois comment ça fonctionne et tu apprends juste à dégâts perforants, je passe devant la carte d'avant. Si c'est un ennemi. Dégâts contondants, j'inflige des dégâts jusqu'à 2 cartes. Normalement, tu infliges des dégâts que sur une seule carte. Donc là, si tu as des dégâts en trop, bah, tu les infliges à l'autre. Et après, c'est la sangsue et le poison. On va dire c'est les 4 effets qui font varier un peu dans le combat. Et une fois que tu les as un petit peu tous, et que franchement, je trouve que ça passe tout seul. Faire la quête du roi, normalement, elle va être assez facile pour nous. Alors, les rats pestiférés, les sbires de Zmei, j'ai pas envie de les affronter, ceux-là. On va emprunter le pont, on va nous poser des questions. On va se soumettre à ces questions. On dit notre nom, ça c'est la parodie de Monty Python. Hein. On dit notre couleur préférée, il va nous demander la vitesse, vole une pierre lancée par un troll. Et là, on va lui demander quel genre de troll, un troll de pierre ou un troll de démarrer. Et il va dire, je sais pas. Ah, 2 de poison sur ça, c'est bien ça. Ça, on va peut-être être capable d'augmenter les dégâts sur l'elfe errant. Attends, je l'ai pas... Si, je l'ai récupéré. Je l'ai pas récupéré ? Moi.
Ça aurait mérité que je le récupère quand même. Je veux dire. C'est le moment là, c'est l'instant de vérité. Est-ce que je vais être chichi ou pas? Alors, guerrier, craft, soigneur, sorcière, chasseur. J'ai pas de chasseur à la ville. Et ça manque, j'ai 3 travailleurs. J'ai pas de crafter, mais la sorcière a du blabla. Donc sur du social, ça peut passer. Ah mais non, mais d'accord, en fait, la chasseuse, elle est arrivée dans mes rangs. Et elle est toute nue. C'est pas grave. On lui met des 15 de dégâts, ok, ok. 24 d'armure, 14 de protection, 9 de piège. Elle pourra nous aider. Un groupe de gobelins, les suivettes près du feu sont en haut, c'est un gobelin de grande taille, vêtu de peau de bête. On a déjà eu cette image pour des événements en ville, on l'a déjà eu. Votre vouloir savoir plus sur les gens et sur leur rôle dans votre monde, je me trompe. Un orc de votre groupe prend la parole d'une voix agitée. Et vous montrez qui est le maître. Alors ça, on a cette option-là parce qu'on a un orc. Tu transpires des clés. Oui, oui, bien. Vous êtes chez moi, monsieur. L'époque où les gobies vous servaient de paillasson est révolue. Social en 3 crânes, on devrait s'en sortir. Ouais, on va les claquer là. Il va frapper à 7. Bon, on va encaisser parfaitement. Voilà, c'est la petite nouvelle, Zoska là. La matriarche, elle parle. Hein. Ils ont quelques cartes dans la défausse. Je vais mettre tout le monde. Autant le plier sur le premier tour de combat. Et on est bon. Je vais pour me demander mon aide, pas pour me brutaliser. L'enjeu est élevé, je ne tiens pas à être écrabouillé par des gens ou retomber dans la longue nuit. On va passer l'histoire, la traduction, j'aime pas. Arrêter une mission hospitalière d'obscurité avant qu'elle ne plonge ça dans l'obscurité. Et comment on fait ça? Le premier des gens, planète Nick, il est réveillé et amnésique. Convainquez-le de vous aider, rappelez-le son devoir et vous aurez une chance d'arrêter ce fléau. La deuxième option est plus radicale, vous essayez de tuer autant de gens que possible puis vous affrontez le seigneur des ombres vous-même, une fois que vous l'aurez débusqué. Le faiseur de temps, il est où? On va tenter le faiseur de temps plutôt que d'affronter. Parce qu'a priori, il y a du blabla. Il faut essayer de le convaincre. En social, on peut s'en sortir. Les royaumes de l'Est. À la recherche d'un géant, ça ne devrait pas être trop difficile. Un peu quand même. On a un nid de serpent ici. C'est vrai qu'on a ces 2 lieux d'intérêt à aller voir. Il est dit dans les royaumes de l'Est. Ça me donne envie de partir à l'Est, mais je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au pied de la lettre ou pas. Ok, on va remonter gentiment. On n'a pas besoin de ça. Ça m'énerve de me prendre des dégâts là-dessus. Par contre, cet équipement, je vais le prendre. Et donc, il me donne de la feinte. Et j'aimerais bien le mettre sur la matriarche. Vu que la matriarche, elle a. La feinte vient de là. Je l'ai mis à qui? À lui. Feinte, furtivité, feinte, dégâts à distance. 4, 2, 3, 1. Lui, il est solide. Lui, il est sournois. Trouver les points faibles. Là, il y a de la feinte. Non, on va le mettre à lui.
Et la Striga va écoper dessus là. Parfait. As you make your way through the terrain, your herbalist spots an area where you can harvest some. On récupère quelques herbes. J'ai pas envie de me battre contre les araignées. Ça, là, les combats vont pas m'apporter grand chose. Si, ça m'apportera quelques points, mais. Là, je suis plutôt sur le fait de finir le DLC. Un groupe de vieilles colludes. Par contre, les colludes, ils sont partis maintenant, mais peut-être ça dit quelque chose fils du genre faiseur. Ok. Bien, 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 bien. On peut les atteindre en un coup. Allez. Ils sont balèzes. Hein. Doucement les gars, je veux juste vous parler. Vous avez besoin d'aide pour trouver l'un de vos frères géants, un planète nuque. Au lieu de ça, ils vous encerclent rapidement. Vous empoignent que si vous étiez des poupées de chiffon. Celui-là a l'air succulent. Faisons-en notre part. Non, non, faut le faire mijoter d'abord. Vous êtes sûr qu'on est censé les manger? Je sais que vous ressentez cet élan physique, mais je sens que ça n'a rien à voir avec de la nourriture, oui. Écoutez votre ami. Ah putain, physique en 4 crânes. On a de la force, hein. On a les orques et tout, ils ont de la force, mais ils nous proposent... Ok. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Toi tu dégages. Ils ont du niveau 9 quand même, hein. Ils ont du 11. On n'a pas de contre-tactique très puissant. Première action niveau 6. Est-ce que ça vaut le coup qu'on se le tente? Ou alors on fait comme d'habitude. Et on va mettre des sacrifices. On va essayer de remonter la ligne. Mais il y a vraiment un paquet de cartes. Je vais laisser les poser. Les deux premières cartes vont tomber. Moi, on met des dégâts. Les deux premières cartes vont tomber. Donc toi, tu vas tomber. Tu vas te prendre 21 et l'autre va se prendre 13. Ok. Toi. Pff, 32 PV, bordel. Et après, on va... Alors, Tu meurs, c'est à moi de jouer. Je vais infliger 'est mieux que je mette L en premier normalement. Donc 11 et 22, 33. Avec ces deux-là, je tue L. Là, il y a 20 points. Ces deux-là, je tue ces deux-là. Et après, on va se prendre 1, 2, 3, 4, 5 attaques. 1, 2, 3, 21, tu meurs. 13. Tu meurs, 21, tu meurs. On va se prendre 19 et 19. En fait, le truc que j'aimerais bien faire dans ce cas-là, c'est vu qu'on se prend le 19 et le 19, c'est mettre lui, l'elfera en premier. Parce qu'il va tanker les deux attaques et ça nous permet de faire les attaques avec tous les autres. Et on perd qu'une seule carte. Même si j'aurais pu très bien pu décider de plutôt perdre... la Striga et la Bandit. Mais ça me fait perdre 24 de DPS et 2 cartes. Donc je pense qu'on va plutôt opter pour ça. Il y a 3 cartes encore là-dedans. Après, moi j'en ai 5 là. Ils peuvent pas atteindre ma défausse. On perd les deux premières. On commence à frapper. On a mal joué là. Si, on la tombe. Parfait.
J'ai le Pandaragon pour le level up. On encaisse la deuxième dans l'elfe. On réplique. Oh, dommage. Ok. Contre-offensif à 24. Il en posera 2. Une. Ah merde, il pose les deux là. Ça arrive. 21 et 14. On va attendre qu'il pose toutes ses cartes et on va faire exactement la même stratégie. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même, on a nos deux orques qui sont ici. On a la matriarche qui est là, donc même sur un round prochain, on a quand même un peu de DPS dans la défausse. Ils sont solides. Hein. 19, 11, 14, ouais. Alors. Tu meurs. Je peux sacrifier elle. J'ai un tour de DPS complet. Et après 21, là il claque. 14, je résiste. 21, je claque là. 21, ici je résiste. 13. Non, parce que je vais en tuer quand même. Je vais en tuer. Donc là, si je mets l'elfe, je pense que mettre l'elfe, c'est quand même la bonne stratégie. Elle frappe assez fort, mais elle n'a pas de point de vie, donc j'aurai du mal à l'utiliser. Et là, en fait, ce qui va se produire, c'est que là, je vais frapper. Il faut que je fasse attention à mon ordre cette fois-ci. On va être obligé de mettre ces deux cartes dans celle-là. Et 24, on va tuer ces deux cartes-là. Donc on va se prendre trois attaques au tour d'après. Et les trois attaques, ça va être 21 dans... On va dire toi. Tu meurs. 14 dans toi, tu survis. 21 dans toi. Et elle encaisse deux attaques. Et ça nous permet d'avoir un DPS complet. On va se garder le 28 pour lui. Je crois que c'est pas forcément nécessaire. Ça, c'est de la sangsue. D'abord, le maître Striga. L'orque combattant avec la solidité, la robustesse. Et toi, après. On tombera ces deux cartes. Au round de 1. Le round de 2, on tombera à la 14. Je me suis planté. Pourquoi je me suis planté? Parce que je suis nul en maths. Putain, je suis nul. Puis des vins. Il me tue pas. Il me restera un point de vie sur la matriarche. Je suis dans la merde. Faut que la matriarche. On va la perdre. Putain. C'est bien joué, hein. C'est très bien joué. On perd nos deux cartes, on en a plus qu'une et lui il en reste quatre. Ah, ça se joue à tellement peu. Il va mettre ses dégâts perforants, donc on va passer derrière. De toute façon, 4 cartes, on les tombe pas. Bon, pas de bol. Je sais pas ce que ça va nous coûter, mais je pense que ça va nous coûter cher. You manage to wriggle free, but you take some damage as well. The giants do not notice, so you can run. Je tente le combat. Faut tomber 100 points de vie d'un coup, hein, c'est ça le truc. Et ils ont des niveaux 25 et des trucs comme ça. Donc on va commencer gentiment. Avec toi. Attends. Ah non, mais c'est 200 points de vie en fait, excusez-moi, j'avais mal compté.
Oh putain. Ok, ok, on reste calme, on reste calme. Il frappe qu'à 62, je veux dire. C'est ça va le faire. C'est... Peanut. Quarante, cinquante-deux, quatre-vingt-sept, cent sept, cent dix-sept, cent vingt-cinq. On a du poison. Cent trente. On peut monter à 132 DPS. Mais on met tout. Du genre tout. On se pose pas de questions, on met tout. Elle, j'aimerais bien la faire passer en premier parce que lui il va tuer elle et après il tuera elle. Si je perds que 4 cartes et que j'en élimine un et demi, ça se négocie. Ouais, j'ai pas trop de questions à me poser là-dessus. Après l'ordre, on s'en fout un peu. Tu viens là. Tu viens là. On perd la bandit ou l'elfe, on va perdre l'elfe. On attire facilement des humains. Et on va mettre l'orc pour... Hey, je suis là les gars, regardez-moi. Fait mal quand même quand lui on descend des points de vie là. Mais pas assez. Un 6 points, putain. Ouh, il a survécu. Ah oui, mais c'est vrai qu'il frappe deux cartes à la fois. J'aurais pas dû faire ça, je me suis trompé. Oh, le pétage de gueule en bonne et due forme, quoi. On le tombe. On affaiblit celui-là, mais il va nous en tomber deux. Et je pense que ceux qui... Ah, mais on en a encore deux, là. Putain, on va gagner le combat, mais on va... tout le monde va être en PLS, quoi. Sachant qu'on a des moins 30 en blessure, alors. Moins 29, voilà. Non, on s'en sort pas trop mal. On le tue. Et c'est un crâne orange. Hein. On a déjà rencontré du 3 crâne orange. Non, PLS. Le tueur de Stria. Ouais, c'est moyen. J'ai mieux que ça. Ça, je prends. Ça, c'est pourri. Ah, le petit effet de sangsu. Ouais. Ok.
15, 39, 46, 13. Là, on peut perdre tout le monde. Hein. Il n'y a pas... Attends. Nous... 9, on perd 9 personnes. Solide. On n'est plus que 5. Vous informe de construire notre toute première capitale, Cité du Crépuscule. En tant que membre fondateur de la collection, vous êtes invité à vous y rendre et à y rester à commercer quand vous le désirez. Crépusculeville, ok. Il nous reste qui ? Deux elfes, le maître Striga qui est encore un peu en PLS. Et bien sûr, ouais, le poids, on va avoir un vrai problème de poids. Il y aurait 3000. Ça fait chier quand on est obligé de virer de l'équipement, c'est quasiment obligé. Tout ça. ...570... si on vire tout ça. Ouais, bah on va virer le cuir. Ces deux-là, j'ai vraiment envie de les garder. Hein. C'est comme la lance, j'ai vraiment envie de la garder, celle-là. Tous les trucs merdiques, là, qui ne vous donnent que 3 en ramassage, ça dégage. On va composer un peu plus facilement. Et il me reste 1000 à enlever. 1000. Genre 1000, quoi. Plus que 500 à enlever. 560. Ça, c'est bien. On va virer tous les os qu'on a. Ok, on est bon. On peut se déplacer un petit peu. J'aimerais bien pouvoir rentrer et qu'on aille... Il faut survivre, là. Non, ça sert à rien de ramasser, on ramasse pas assez vite. Bon bah ok, on est plus que 4, on va re-avoir un problème de poids. 1000, putain, il portait tellement lourd le maître Striga. Alors j'aime bien la garder aussi, j'ai envie de tout garder en fait. 2 points de mouvement, on va mettre 40 tours à rentrer. Elle se discute.
Ah, ça me fait mal au cœur. Ça me fait trop mal au cœur. Ça on peut trouver. Allez, on s'arrache. Là, la moindre rencontre, c'est la mort de l'âme. Allez. Je suis écœuré, je n'ai rien su faire. Non, moi je suis pas écœuré, ça va, mais c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Toi, tu vas te rapprocher. Oh merde. Je pensais aussi à le tuer celui-là. Hop, première action ici. On le tuera pas d'un coup, c'est dommage. C'est bien qu'il frappe à gauche le squelette. Parfait. Alors, on va pas prendre trop, si on va prendre un peu cher quand même. Ah, on va pas en tuer deux, mince. Ah, si, on a réussi avec le poison. Nice, on se prend que 7 points de dégâts, on va survivre avec l'aide de la forêt. De crâne ça rentre, mais heureusement les elfes sont en dégâts perforants, je les trouve particulièrement efficaces. Tu es écœuré, rien su faire. C'est pas dans... comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Quel film? Attendez, j'arrive. Dikenek, oui, voilà, c'est ça, je cherchais. Il va falloir qu'on jette tout. Parce qu'on a encore un problème de poids. Oh, putain, allez. On a pris des dégâts en plus. Compliqué à gérer. Lui, il meurt. Points de dégâts, on va mettre la protection ici pour que ça encaisse, et là on devrait s'en sortir dans le combat. Ah, le stuff ça fait la diff hein, quand même. Du squash hein. Bien belge à Dikenek, ouais. Alors squash, j'ai réussi la quête divine, j'ai réussi la quête de l'arbre cosmique, et là j'ai tenté les trucs de géants, j'ai eu une épreuve de force avec des géants et j'ai perdu. On était 13 dans l'expédition, on est 4. Tu crois? Et terrible, hein, une épreuve de force. On a fait un combat, un crâne orange contre les géants. 200 points de vie quasiment chacun. 60 points de dégâts en contondant avec de la sangsue.
J'ai réussi à le rentrer, ils étaient que 3, mais j'ai perdu tout le monde. C'était apoplexique. Ouais, on se barre. Donc on a perdu le défi, on s'en fout. Non, ça par contre, on survit pas. Faut qu'on joue sur notre protection, ils vont les mettre à la fin. Mais j'ai peur qu'elle meure les deux. Oh, putain. 6, 7, 7. Ouais, non, elle est morte. Là, se prend 2-3 dégâts, on va la faire jouer devant. C'est fait carjaquer. Je suis fait carjaquer. Je pense que là on va avoir un effectif vachement plus réduit pour finir le voyage. Hein. Oh merde. Oh non, t'as frappé dans le mauvais sens. Les défis d'abeilles sont très durs à rentrer. Hein. Trop de dégâts perforants en face. Et en fait, il y a du poison partout. À la recherche du faiseur de temps. Ok. Ça va, c'est pas hyper loin. On va espérer que personne ne meure. Allez là. Thea is not an easy place to live, but alas, grow up we must. One of your children has matured into a young adult. Becoming an adult is. Allez. Oh, 200. Je pense que ça vaut le coup qu'on avance pas à pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On est resté à 4 en fait. Ok, équipement. 450. Ok. Heureusement qu'il y avait 3 gamins dans le truc. Maintenant, on doit en avoir plus qu'un, c'est ça? Notre inventaire. 2, il nous en reste 2. Ok, petite bénédiction de. Un porc sacré. Une récompense des dieux. Petite bénédiction de vitalité, on prend. C'est où? Oh putain. C'est loin celui-là. Hein. On va repasser à 10. Alors on va attendre un peu. On va faire ça. On va mettre un shield. 13, ça c'est très bien. 29 de dégâts monocibles, 21 de protection. Un petit effet sensu, why not, j'ai envie de dire.
Elle, elle porte 800, donc on peut se permettre de lui mettre peut-être du un peu plus lourd. Fin de tes dégâts à distance. On prend. La sorcière va être calée. Oh. On prend pas le 32. On a 7 de feinte et 8 en discours, ça c'est bien. Putain, le fait d'avoir perdu tous les orques, ça me flingue. On va passer à un tour ou deux. Quels seront-elles en ce jour-là ? Yes, plus 8, c'est bien ça, ça me permet de monter ici. Faveur pour avoir rétabli l'équilibre dans leur rang. Oh ! Et on a deux araignées malveillantes qui nous rejoignent. Ouais, 3 points de vie, ok, c'est du petit. Hein. Mais par contre, le gros bonus là sur tout le monde. Attends, mais est-ce qu'il fait partie de notre inventaire ? Du genre, est-ce qu'il faut donner un ordre pour pas qu'on le mange ? Je sais pas, on se pose la question. Là, on est bon. Petite blessure, c'est les géants, on connaît. On est à 12. Et directement devenu un adulte. Une chasseuse, je prends. Une chasseuse. Tu portes 450, ça c'est bien. Douze. Feinte. Discours 6. Avec un peu de feinte supplémentaire, on passe à 6 en plus de dégâts, donc on passe à 12 de dégâts. Qu'un petit 6 de volonté, ça c'est dommage. 2 d'intelligence. On est à 13. Le jeu qui essaye de m'aider, quoi. Putain, mec, on t'a donné un cochon sacré, on n'arrive pas à imaginer d'autres choses pour t'aider. 2 guerrières, un craft, un soigneur, il va nous falloir un soigneur. Après, on reprendra du guerrier, on va pas se poser de questions. Euh, 66, et on a un truc qui augmente, donc il est où le soin? Ok. Oh yes, on a 2 points, j'ai pas fait attention. On va sortir la palissade. Ça c'est quoi? Sentier béni. Qui permet au guetteur de sentir plus loin, ce qui augmente le rayon de collecte non cumulable avec les autres sentiers. Ok. Ça voudrait dire qu'on pourrait construire la fameuse palissade avec de l'or. J'aimerais bien mettre du bois d'elfe en haut, mais je pense que je vais pas pouvoir. De toute façon, l'elfe, on l'attire plutôt bien. J'ai suffisamment... Non, j'ai pas suffisamment de granit, j'ai que du quartz. Attirer les nains, 2. Bonus de protection, plus 3. La
Si je mettais du bois d'elfe, ça serait bien quand même. 40 en bois d'elfe, il nous en faudrait un peu plus. Tac, tac, tac. Ça va permettre de tester un peu notre, notre expédition. Mince, j'ai pas de... Faut un peu de bouffe. Ok, on va aller jusque là. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. Prochain live, peut-être demain matin, on va voir. Je reprends le boulot demain après-midi. Faudrait qu'on fasse ça. On a le nid de serpent et ici on a les géants. Mais on n'est pas encore hyper nombreux là, je suis pas serein. J'aimerais bien faire la palissade avec du bois d'elfe. Et pour attirer de l'elfe et du nain, il faut qu'on attire de plus de monde. Il faudrait que des orques reviennent. Et le truc qui m'énerve, c'est que l'elfe errant, on l'aura plus. La matriarche, on l'aura plus. Les strigas, on les aura plus parce que c'est des trucs, c'était vraiment très ponctuel. Et ça fait râler. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, à bientôt tout le monde et bye bye!